Qui êtes-vous ? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Combien êtes-vous ? Nous sommes 19 à être encore opérationnels. Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître. Beaucoup essayent d'atteindre Jéricho. Peu y parviennent. Les humains n'ont aucune pitié pour nous. Alors c'est ça, Jéricho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je ne comprends pas. Je croyais que Jéricho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Je suis venu à Jéricho en quête d'espoir. Mais je ne suis pas sûr d'être au bon endroit. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Grande forme. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non, je ne veux pas me désactiver. Les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu ? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre ? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu.
La plupart de ces androïdes sont en sale état. C'est comme ça que les humains traitent ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Quelle était ta fonction avant de venir ici? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tous ces androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé leur en chercher? C'est pas si simple. On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jericho. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. C'est toi, Lucie? Assieds-toi. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie. Bois ça. Donne-moi ta main. Tu avais tout, et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer, et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin. Simon, je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife, dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis.